Je m'appelle Éric Bulliard, je suis né en 1970 à Fribourg, une ville où je vis toujours, où j'ai fait mes études. Je suis journaliste au journal La Gruyère à Bulle depuis une vingtaine d'années et je suis responsable de la rubrique culturelle. Je m'occupe essentiellement de littérature, un peu de théâtre, de musique. Et j'écris depuis quelques années maintenant. J'ai écrit un premier roman qui s'appelait L'Adieu à Saint-Kilda, qui est sorti en 2017. Et La Cabine est mon deuxième roman. C'est un travail que je fais à côté de mon travail de journaliste, mais qui me permet de m'évader dans une autre forme d'écriture. Le roman s'appelle La Cabine parce que c'est l'histoire d'une cabine téléphonique, mais pas n'importe quelle cabine, puisqu'elle se trouvait dans le désert du Mojave, donc dans le sud des États-Unis. C'est une cabine qui a vraiment existé, c'est une histoire vraie. Il a existé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était montée là, installée pour les mineurs. La mine a fermé, la cabine est restée et totalement abandonnée, mais en parfait état de marche. Et c'est une cabine qui m'a fasciné parce que j'ai trouvé cette idée, cette espèce d'absurdité poétique totalement fascinante. Une cabine en état de marche au milieu du désert. Et un jeune homme à l'époque, nous sommes donc en 1997, s'est mis en tête de la retrouver. Il a été sur place et ensuite il a créé un site internet, ce qui fait que cette cabine, la Mojave Phone Booth, est devenue une sorte de phénomène mondial, puisque les gens ont commencé à l'appeler du monde entier. Et lui et d'autres personnes allaient dans le désert pour répondre à ces appels. La cabine est devenue une sorte de centre du monde où, depuis le désert, on pouvait entendre les voix du monde entier.